Bonjour et bienvenue dans ce booktube à l'occasion du festival Quai du Polar. Nous allons vous présenter les 5 finalistes de la première édition des bibliothécaires de la métropole de Lyon. Je suis Emmanuelle et je vais vous présenter L'île aux âmes de Pier Giorgio Pulici aux éditions Gellmeister. Le récit s'infuse dans l'arrière-pays sarde, la région de Barrage. Cette côte est réputée pour avoir été le refuge et avoir abrité les habitants lors des conquêtes des envahisseurs. Cette victoire est encore célébrée lors du carnaval de Mamoyad, où des personnes arborent des masques et sont dites mamoutones, et défient et dansent face à d'autres personnes grimées, elles, en berger. Cette île présente aussi les vestiges de pierre de la civilisation nuragique. Pier Giorgio Pulici, avec sa plume poétique, nous livre en pâture le corps de jeunes femmes assassinées, grimées, en portant ces masques de mamoutones, dans des rites et des sites ancestraux, selon les rituels dionysiaques. Pour élucider cette série de meurtres, la police de Cagliari va générer un département des crimes non élucidés et placardiser deux jeunes enquêtrices, Mara Rice et Eva Cross, au tempérament bien trempé et opposé, et aux nombreuses casseroles. Elles vont devoir élucider ces meurtres sous la coupe d'un vieil enquêteur devant tirer sa révérence aussi bien professionnelle que personnelle. Sous l'influence de grands romanciers américains du roman noir, Pulici nous livre et réunit ici les ingrédients d'un polar atypique, une enquête singulière, un trio très attachant et nous offre ici un livre inoubliable et envoûtant. Je vous invite à découvrir les autres booktubes à suivre représentant chacun un des finalistes de la sélection. Merci et à bientôt !